Je suis levée depuis genre une demi-heure, peut-être un peu plus. J'ai regardé en fait quelques snaps et ensuite j'ai monté le vlog qui sera en ligne aujourd'hui. Comme ça, là il est en train de charger pendant que je fais mon petit déj. Du coup, on va bientôt manger. C'est un peu bête que je fasse mon petit déj maintenant, mais j'ai vraiment du mal à commencer une journée en mangeant directement en fait et pas en prenant mon petit déj. Je suis bizarre, je sais. Et en tout cas, j'avais vraiment besoin de dormir, je crois. Je déteste me lever à cette heure-là parce que tu te dis. T'as gâché toute ta matinée, mais ça fait du bien quand même. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre un petit peu pour aérer. Je vais refermer parce qu'il fait un peu frisqué et puis ça fait claquer ma porte. Donc là, je vais mettre Plus belle la vie. Enfin, si ça va bien, parce que tout à l'heure, j'essayais de mettre sur le Chromecast pour préparer pour quand je reviens de mon petit déj et ça ne voulait pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Mon vlog est exporté. Ça, c'est très bien. Je vais pouvoir le mettre à charger sur YouTube. J'ai pris du miel pour ma gorge parce que là, ça devient très 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 chiant. Vivement qu'il fasse beau, le soleil, tout ça, parce que bon, là j'ai l'impression d'être en hiver quoi. Petite grippe hivernale, automnale. Enfin bref, allez, plus belle la vie marche. On croit en toi. Allez, tu peux le faire. Est-ce que ça marche? Suspense, ça marche. Allez, go! Bon, je viens de recevoir plein de colis, donc déjà j'ai reçu une cellule Blue, donc c'est une ventouse en gros pour comment, comme ceci, pour la cellulite avec l'huile qui va avec, qui est bio en plus. Ensuite j'ai reçu de la marque Sumita tout plein de produits sourcils etc, donc faudra que je teste, je vous ferai une vidéo dessus et peut-être vous en faire gagner. D'ailleurs, je vous mettrai des codes promo en barre d'infos de ce que je vous parle maintenant parce que les marques ont été très gentilles et vous ont fait des petits codes. Ensuite, un autre petit produit Octoly, trop mignon. Désolée, petite pieuvre, je vais devoir t'arracher. Voilà. Donc ça, un masque de la marque Akan, masque coco nocturne. Donc c'est un masque pour les peaux assoiffées et stressées. Et en gros, c'est un masque que vous laissez poser la nuit en fait. Ensuite un autre colis, je sais pas ce que c'est. On va enlever les petits trucs. Ah si, je sais. C'est mon joli sautoir, donc c'est des bijoux. Bon là je vais faire le tirage au sort du concours Hilo, donc il y a par contre des personnes qui ont participé après l'heure, mais il se terminait à 22h et Yannine elle l'a fait à 22h01. Je vais la laisser, hein, on va pas chipoter pour une minute. Du coup il y en a 2192, je vais faire le tirage avec Random, en fait je sais pas si vous connaissez, avant tout le monde utilisait ça, random.org je crois. Et en gros, vous lui dites de donner un chiffre entre 1 et 2192 pour moi. Et il vous donne un chiffre. Et du coup, bah voilà, ce sera comme ça que je tire au sort. Ensuite, je vérifie que la personne ait bien participé une fois. Parce que dans ma vidéo, je me suis trompée. J'avais dit tous les jours. Mais j'ai bien spécifié en barre d'infos que c'était une fois pour tout le concours. Donc, j'avais bien dit dans la vidéo que je mettais les conditions en barre d'infos. Donc, si vous ne l'avez pas vu, bah, je suis désolée. Mais c'était le jeu. Donc on a 1268. Qui est le 1268? Attention. 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 Où es-tu? Attention, j'y suis bientôt. 1268. Elle s'appelle Camille. Je vais vérifier s'il a participé qu'une seule fois. Bon là du coup je suis en train de m'occuper de la musique pour ma vidéo de lundi. Je vais faire une espèce de petite intro en musique, enfin intro. Genre avec des images de la vidéo et tout. Et je vais essayer de trouver une bonne petite musique pour le début. Faudra que je fasse la voix off et du coup je vais peut-être tourner une intro ou trop en... Enfin comme ça genre bonjour, je reviens dans une nouvelle vidéo. Avant la voix off quoi. Je ne sais pas encore si je fais ça ou pas. Je vais voir
Et il faudra que je me maquille. Et après, je vais tester l'lisseur vu que mes cheveux là ils sont un peu n'importe comment. Parce que ça me tracasse vraiment cette méthode. Et j'essaierai de faire mes sourcils avec les produits Sumita. Mais il y en a vraiment beaucoup. Genre Browax. Je vais les ouvrir, je crois. Prépare maintien et crée les formes. J'ai un peu de la cire, je crois. Ensuite, il y a l'eyeliner. Ça doit être pas pour les sourcils. Ensuite, j'ai l'highlighter. Donne de l'éclat, accentue, rend plus lumineux. Ensuite, j'ai le bronzer scintille, rayonne, éclairci. Bronzer, éclairci. J'ai le concealer. Bah, ça, c'est pour dissimule, gomme, éclairci. Et le brow pencil. Donc, ça, c'est le crayon pour les sourcils. Et ils disent comble, définit et corrige. Je vais les ouvrir pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. En fait, le crayon bronzer, c'est un illuminateur. Vous verrez pas trop parce que j'ai. On voit un tout petit peu. C'est plutôt un illuminateur au doré. Hein. Ensuite, l'eyeliner, c'est en fait un crayon noir. Wax, bah, la cire, ça c'est une cire transparente pour fixer. Bon, bah, le concealer, c'est un correcteur. Ensuite, la lighter, il est carrément argenté. Trop beau. Et ensuite le crayon pour sourcils, je sais pas si vous voyez l'embout. En fait ça fait pas une pointe toute pointue et du coup il fait pas un trait hyper marqué. Ah, je vous ai fait tomber. Et ça c'est cool parce que des fois quand tu mets du crayon ça fait un peu trop tracé et là justement non. Et j'ai remis un peu de bronzer pour que vous voyez bien qu'il est vraiment doré. Je veux dire pour moi ça peut être plutôt un highlighter dans les tons chauds et l'autre l'highlighter, bah highlighter dans les tons froid argenté quoi. Donc voilà, en tout cas le crayon est très beau et puis même tous en fait. Je les trouve super jolies. Ah bah il y en a un qui sait. Voilà. Et bien voilà, j'ai fini ma voix off de ma vidéo pour lundi, qui sera la vidéo une journée dans mon assiette. Mais chut, il faut pas le dire. Enfin, je sais pas, en fait, ça se trouve quand vous regarderez cette vidéo, ce sera lundi. Ou dimanche, je ne sais plus. Je crois que dimanche. Je vais pas finalement faire de intro ou trop en voyant ma tête parce que ça servira pas à grand chose. Et voilà, par contre, j'ai cru mourir au milieu de ma voix off. Je me suis étouffée. J'ai tellement toussé que j'ai cru que j'allais vomir, quoi. Ça me fait. J'ai la gorge tellement sèche, c'est horrible. C'est même pas une toux grasse, c'est une toux vraiment sèche. Et ça te gratte, c'est horrible. Tu bois, ça te fait du bien, mais pendant genre 3 secondes, c'est tout quoi. Bref, du coup, voilà. Là, je vais monter ce que j'ai fait pour regarder ce que ça donne, voir s'il y a quelques modifs à faire. Et pendant que ça se monte, du coup, je regarde des vidéos sur YouTube. Et là, je vais répondre aux lettres que j'ai eues, je pense. Et ensuite, comme ça, je pourrais les ranger tout ça. J'ai des habits propres à ranger. Et ensuite, j'irai me maquiller pour tourner ma vidéo. Faut que je tourne la... Enfin, que je teste le lisseur. Donc, je vais tester ça dans une vidéo. Je testerai peut-être d'autres produits dans la même vidéo. Pourquoi pas? Et ensuite, ce serait bien que je tourne une autre vidéo. Je viens d'avoir un appel avec eux. Ils disent, et moi, je vous dis qu'on vous répare un truc trop, trop cool. Par contre, ça sera pas forcément bon. Pour tout le monde parce qu'il y en a peut-être qui auront cours ou qui pourront pas venir, mais un concours arrive prochainement. J'en dis pas plus, voilà. En tout cas, moi je vais manger épinards, œufs et c'est du poisson pané aux herbes et tout. Trop bon. Bon appétit. Alors peut-être que vous mangez pas, mais j'ai fait une coiffure grave moche, mais j'avais trop chaud. Donc là, j'ai encore d'appeler avec une marque. Enfin, c'est pas vraiment une marque, c'est un peu plutôt une agence. Et peut-être que je peux les rencontrer la semaine prochaine, donc ça peut être cool. Bon, je vais enfin pouvoir manger peut-être. Il y a la saison 4 qui est sortie. Voilà. Je me suis maquillée, donc j'ai fait mes sourcils et je pense que vous voyez l'highlighter. Je l'ai mis aussi là et là, voilà. Et j'ai utilisé le crayon noir pour mettre sur mes yeux, voilà. Du coup, je sais pas quelle vidéo je vais filmer. Il faut aussi que je change de haut, quoi. Voilà. Et que je tourne une vidéo. Peut-être le haul. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, j'ai tourné une vidéo. J'ai changé de haut du coup. Enfin bref. Je vais faire un petit goûter. Petit, pas trop gros. Je vais mettre chasseur d'à part. Et voilà. J'ai pas pris un trop gros goûter parce que j'ai quand même mangé il y a pas si longtemps que ça. Mais je me suis dit, je prends quand même un petit goûter pour. Sinon, je vais être tout décalé et tout. Si je... Comme manger, j'avais pas hyper hyper faim. Mais. Sinon après je suis trop décalée et ça ne va pas, voilà. Oh non mais regardez là. Rien? Allez donne-moi un feutre que je puisse écrire ma lettre. Donc voilà, je suis en train de répondre aux lettres et il me reste 4 lettres à répondre. Donc c'est cool, en plus c'est des lettres que j'ai reçues. Waouh! Celle-ci, et voilà les autres. Très... Celle-ci c'est celle que j'ai reçue le 14 juin.
enfin reçu à la boîte postale le 14 juin, elle a eu de la chance, nous sommes le 17. Elle va déjà avoir sa réponse. Voilà. Lily, elle me demande si elle est déguisée en Romain Michel. Parce que c'est Romain Michel, genre. Enfin voilà, c'est pas méchant quand on dit ça. Mais Romain Michel, quoi, ça me fait trop rire. Ben, est-ce que je suis déguisée en Romain Michel? Hé, Romain Michel, viens là! Bon, allez, j'avance dans ma lettre parce que. Tu m'expliques c'est quoi tes cheveux? C'est dégueu, la perruque elle est foutue. Ah non, je meurs. Tu t'es pris pour Ariel ou quoi? C'est quoi Ariel! Bah la petite sirène. Ah oui. Qui est Par contre, il y a un problème totalement au-dessus de féminine. la perruque. C'est quoi? Non mais j'en peux plus. Hein. Tu ressembles à rien. Tu me fais rire. Bah quoi, ça m'a fait la mettre comme ça avec le petit foulard. Ouais, j'ai trouvé que le foulard il allait bien. Sinon derrière il y a Anil. Bah, même Anil il va avoir un serpent sur lui. Bah je crois que c'est pas tout de suite mais regardez ce que Loutifoulé l'a reçu. Je reconnais la boîte directe moi. Ah mais moi je reconnais pas, moi je sais Bah moi je pas. sais puisque je l'ai déjà eu. Je suis pas une habituée. T'as touché à 100 000 abonnés toi? Bon voilà, j'ai répondu aux petites lettres que j'avais reçues. Si vous voyez une adresse, c'est juste la mienne, hein, ne vous inquiétez pas, je ne montre pas l'adresse des abonnés. Donc voilà, j'ai rangé du coup un peu le bazar que j'ai fait avec ces lettres, rangé les lettres auxquelles j'ai répondu dans une boîte. Et puis voilà, regardez les mails, puis regardez les commentaires de mon blog qui est sorti tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fini de manger. Je mange un petit yaourt Yoppa à la noix de coco. Vraiment, ceux-là font partie de mes yaourts préférés. Il y a des bouts de noix de coco, j'adore. Et ce soir, on va regarder les tuches 2, mais dans mon lit avec ma maman et mes 2 sœurs. Donc, il faut que je trouve une solution pour que tout le monde rentre là-dedans. Je ne sais pas si je mets mon lit en canapé, parce que c'est un peu moins confortable vu qu'on est assis, mais on a un dossier. Ou alors je le mets comme ça et ça, quand je débrouille avec son coussin. Je ne sais pas, mais d'abord, il faut débarrasser mon lit. Parce que quand tu reçois des produits, voilà ton lit, à quoi il ressemble. C'est plutôt bien, mais moi j'ai la place pour dormir, mais on n'a pas la place de mettre d'autres personnes, voilà. Il y a de l'orage en tout cas, j'aime bien l'orage, mais du coup, je pense qu'on va devoir débrancher internet. Mais bon, si on regarde le film, il y a juste à le passer sur clé USB, donc ça va. Encore faut-il que je trouve une clé USB où il rentre dessus. Lily, elle a dit j'étais grosse quand je prenais 2 places dans un lit. Non, en vrai, tu peux dormir avec moi. Maman, fais dormir. Regardez le film. Maman, elle est sur la chauffeuse. Lou, bah, je sais pas. Faut que je laisse trouver une place. Moi, je suis dans mon lit. Bon, je vais ranger un peu mon lit parce que. Il y a du bazar. Et j'avais oublié de répondre à une lettre. Elle s'était sauvée. C'est moi qui. Elle s'était sauvée. Et si jamais j'avais pas. Enlever le panier comme ça, on l'aurait jamais retrouvé. Mais oui, mais je l'aurais bien vu, t'inquiète. Par contre, t'as les nichons à l'air. Hein. Et tu vas peut-être te mettre en pyjama, là, t'es en robe. Elle s'est crue, elle était à la playa, Je vais quoi. acheter ça ailleurs. Vamos à la playa. Ok, elle se déshabille comme ça. Aucune gêne. Et mon rêve, moi, je trouve qu'il a plutôt bien tenu. Hein. C'est un rouge à lèvres clinique. Je sais plus c'est quoi le nom de la gamme. Ça rouge à lèvres, hein. C'est pas un truc liquide ni rien. Je l'aime bien en plus cette couleur. C'est ta couleur. Bon, ça fait un petit moment en fait qu'on a fini de regarder les Tuches 2. Faut que j'aille me démaquiller. Comment vous dire que. Il faut se bouger. Je vais me laver les dents. Me démaquiller, tout ça. Enfin, bref. Tout ça, je vais pas tout vous raconter. Voilà, vous connaissez. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.